On retrouve une belle victoire, tout d'abord la semaine dernière à Drancy. Vous enchaînez à domicile face à cette belle équipe de Laval, le stade Lavallois. Une victoire 2-1 importante pour la suite du championnat. Ouais, voilà, bah, t'as tout dit. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur une série où on a commencé en Coupe de France, à Limoges, là-bas. Et on a, à Drancy, on a fait un sacré résultat. Et là, on a confirmé tout ça ce soir, parce que c'était pas non plus, c'était pas évident. On a très très bien débuté le match, avec les deux buts qui, je pense, sont mérités. Après, on a eu tendance à reculer. Laval, eux, se sont peut-être réveillés aussi, parce qu'ils nous ont vraiment mis en difficulté. Ils ont été récompensés par leur but. Et la deuxième mi-temps, bah, c'était un vrai match de national, que ce soit dans les duels, dans l'impact, dans les transitions, etc. Et on a répondu présent et elle est méritée et franchement elle fait beaucoup beaucoup de bien. Alexis, ton absence a peut-être porté un peu quelques difficultés sur les derniers matchs. Tu es revenu, mais quand même Antoine a répondu présent en ton absence. Ouais, c'est clair. Hein. Moi, à partir du moment où il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, malheureusement, eh ben, Antoine, il a plus qu'assuré l'intérim, il a ramené des points. Et sincèrement, le coach, il n'arrête pas de le répéter dans les médias, c'est qu'il a deux très bons gardiens. Donc c'est super pour nous d'entendre des choses comme ça, même de la part des supporters, de certaines personnes du club. Et si demain, je dois être amené à ne plus jouer pour quelconque raison, eh ben, tout le monde sait dans le club et même ailleurs, que derrière, ça suit et voilà. C'est vrai que tu parles qu'il y a un bon groupe au niveau des gardiens, mais il y a surtout un bon groupe au niveau de cet effectif, parce que malgré les blessures, que des absences de longue date, maintenant, ça va se poursuivre. On va enchaîner donc le championnat. La Coupe de France, ça va être encore un périple, cela. Ouais, exactement. Ben, on l'a vu, ne serait-ce qu'à Limoges, les conditions, c'est-à-dire que le terrain n'était pas forcément facile, on a fini le match à 10. Tout ça, ça pèse énormément. En plus, on joue un samedi, donc ça décale tout au niveau de la semaine d'entraînement pour après les jouer le vendredi. Et c'est là aussi qu'on voit la force d'un groupe. On a souvent l'habitude de dire ouais, on a un bon groupe parce que les mecs rigolent entre eux. Mais le bon groupe, pour moi, on le voit uniquement, c'est sur le terrain. Quand on est à 10, quand on n'a pas forcément la même mise sur le jeu, mais qu'on arrive à ramener des points, c'est là qu'on voit vraiment un bon groupe. Et là, ben, ces temps-ci, je pense qu'on est en train de prouver qu'effectivement, on a vraiment un très très bon groupe. Alexis, on va se pencher sur la Coupe de France, donc samedi, pour un déplacement à Cournon contre l'équipe de Chamalières. C'est une équipe qui est leader de son championnat en N3. Ouais, c'est... ils sont leaders de leur groupe, on sait qu'apparemment c'est une équipe qui mérite leur place, donc en plus de ça ils reçoivent, nous ça refait encore un déplacement, bon même si là c'est pas non plus hyper loin, donc comme on dit on va se mettre la tête à la coupe maintenant, il y a un temps pour tout, je pense que là il est grand temps de profiter, et lundi matin il sera grand temps de s'en mettre les idées en place. Alexis, un public caladois qui a répondu présent, les encouragements pendant 90 minutes qui vous ont soutenu, ce public caladois. Ouais, c'est plus qu'un soutien, hein. C'est-à-dire que même quand on est amené à subir ou ce genre de choses, eux ils lâchent pas, ils chantent, on les entend chanter sans arrêt et ils sont là, ils vivent le match, c'est-à-dire qu'ils sont pas non plus que spectateurs, ils sont vraiment supporters, ils vivent le truc à 300%. Et quand tu finis un match comme ça, il pleut à sourd, tu gagnes 2-1 contre une équipe pro, tu te retournes vers la tribune, il y a la famille, les amis, il y a tout un public qui est là, qui t'applaudit, qui sont debout et sincèrement ça n'a pas de prix. Voilà, donc le rendez-vous il est pris, on va se diriger du côté de la Coupe de France samedi, donc appel à tout le public caladois pour ceux ou celles qui veulent soutenir les petits caladois. Un quart de supporters va être organisé par le Football Club de Villefranche avec 20 euros d'inscription, ça vous emmènera du côté de Cournon et en plus l'entrée au stade pour encourager nos petits caladois, vous le savez, parce que c'est important la Coupe de France également pour le club. Ça va chercher un 9e tour et un 9e tour qui dit pourquoi pas au tirage au sort une première division du côté du stade Armand Chouffet. Ouais, on verra, on fera les comptes samedi soir. À samedi. Merci Alex, à samedi. Merci à vous, au revoir.